Good afternoon. We are now continuing with some interesting interviews with two ladies, with Mrs. Anne Pedon and with Mrs. Sagramola. Good afternoon, and thank you for being here in this TV lounge. So, Madame Anne Pedon, vous êtes présidente d'Entreprendre Lorraine Nord, et Madame Sagramola, vous êtes responsable des affaires européennes pour la Chambre de commerce. Donc hier, aujourd'hui, on a déjà parlé beaucoup de la Lorraine ici et au Luxembourg. Très souvent, si on parle de la Lorraine et du business, on pense très souvent aux frontaliers qui viennent travailler au Luxembourg, mais il y a beaucoup de choses dont on parle pas souvent peut-être. Donc il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises en Lorraine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces entreprises? Bonjour déjà. Écoutez, oui, c'est une opportunité déjà d'être à la croisée de différents pays. Et notre association, donc, qui s'appelle Entreprendre en Lorraine Nord, dont le noyau est à Thionville, a 150 entreprises, des TPE-PME, mais également des grands donneurs d'ordre de la région. Ce qui fait que l'intérêt de notre association est d'avoir des passerelles concrètes entre les TPE-PME et les grands donneurs d'ordre. Donc ça, c'est une, comment dire, l'âme de Hélène qui a été créée il y a 17 ans par trois grands donneurs d'ordre, justement pour essayer de fédérer des projets collaboratifs. Donc à l'intérieur de la Lorraine, mais maintenant on pense grande région, ce qui est pour moi vital. C'est une opportunité, c'est une chance. Et étant également franco-luxembourgeoise, ça m'est complètement naturel. Et Madame Sagramola, quelles sont les relations entre la Chambre de commerce et Entreprendre Lorraine Nord, par exemple? Je dirais que ce sont encore des relations de fiançailles, parce qu'on va se marier à la fin de la journée, symboliquement, dans un esprit de renforcement et de continuité de nos relations d'affaires, d'être des têtes pensante au tandem, de développer des mesures de soutien aux entreprises avec un renforcement, justement, avec un cœur qui bat grande région. Et Madame Pedon, très souvent, si on parle de la grande région ici au Luxembourg, surtout en ce qui concerne la Lorraine, on pense aux relations, évidemment, entre la Lorraine et le Luxembourg. Mais en quel sens est-ce que la Lorraine collabore aussi avec les autres régions de la grande région, avec la Sarre, par exemple? En tant qu'association, on essaye aussi de se rapprocher avec les associations des pays transfrontaliers. Donc, que ce soit Luxembourg, avec la Sarre, on travaille avec AKW, qui est un autre réseau. Et on essaye déjà de se rencontrer le plus souvent possible pour échanger sur la manière dont on travaille avec les TPE-PME, et puis voir aussi entre pays comment on peut travailler. Donc essayer de faire des manifestations communes, et avec la Belgique également, puisque nous avons eu sur notre dernier salon à l'envers de Lorraine, puisque on dit salon à l'envers de Lorraine, nous avons eu nos partenaires belges, luxembourgeois et allemands. Et donc au dernier salon à l'envers, c'est là que notre rencontre s'est faite avec monsieur Pierre Gramegna et puis Sabrina Sagramola. Et donc tout naturellement, on s'est dit l'année prochaine, il faut absolument faire une manifestation grande région où nous serons présents, et puis ensuite revenir au salon à l'envers de Lorraine où vous serez présents. Et c'est vraiment aller d'une manifestation à l'autre pour renforcer et pour rendre vraiment les collaborations concrètes. Là, comme l'a dit Sabrina, on en est qu'au début. Ce soir, on va sceller nos fiançailles par un mariage qui s'appelle le mariage des entreprises, et pour moi c'est très important, c'est un acte concret et qui va vraiment dire aux personnes qui sont nos adhérents, même aux autres, j'espère qu'ils seront nos futurs adhérents, que oui, au sein d'une association, c'est une chance, parce que c'est se faire connaître, c'est avoir une visibilité économique, et puis on passe quand même une période difficile au niveau économique. Donc si on peut aider d'une manière ou d'une autre les entrepreneurs, c'est un tremplin formidable. Il faut qu'on voit tout ce que l'on fait comme des leviers économiques. Et j'ai encore une question en ce qui concerne le sexe des entrepreneurs, parce qu'on a vu aujourd'hui il y avait beaucoup d'hommes qui ont été interviewés, maintenant on a deux femmes. Donc est-ce que les femmes sont peut-être en général plus timides en ce qui concerne à créer une entreprise, ou ça, c'est, il y a eu déjà beaucoup de changements?
Je ne crois pas que c'est une question de timidité. C'est peut-être qu'il n'y avait pas assez de place pour elle. Maintenant, il y en a un peu plus. Comme la nature horreur du vide, ben, les femmes arrivent, c'est très bien. Et puis, une femme chef d'entreprise, c'est comme un homme. Je veux dire, les fonctions sont les mêmes, les responsabilités sont les mêmes. Moi, je suis chef d'entreprise depuis 17 ans. Il faut être dans l'action-réaction. Voilà. C'est peut-être aussi une question de tempérament, de dynamisme. Je ne sais pas, mais en tous les cas, toutes les femmes chefs d'entreprise qui m'entourent, ça se passe très bien. Moi, je vis bien sûr avec beaucoup d'hommes autour de moi, que ce soit dans l'association, dans les réunions. Enfin, Sabrina, comme moi, je vois pas. Ce n'est pas un frein. En tous les cas, ça ne doit plus l'être. Et puis, c'est à nous aussi de dire qu'il y a de la place, il y a de la place pour tout le monde. Mm-hmm. Et Madame Sagramola, est-ce qu'il y a au Luxembourg des projets, par exemple, pour encourager les jeunes femmes à devenir entrepreneurs? Je pense qu'au Grand Duché de Luxembourg, il y a différentes fédérations et associations qui fédèrent cela aussi au niveau européen, la Direction générale des entreprises met en avant des initiatives pour fédérer les femmes ambassadrices au sein de l'Union européenne. Et je rejoins tout à fait Anne de dire, est-ce que c'est vraiment une différence entre femmes et hommes? Je pense que c'est tout simplement les aptitudes personnelles d'un chacun. De mettre en place par la volonté, par la dynamique d'action, des actions en œuvre. Parfois, on peut dire les hommes ont des talents dans certains créneaux, les femmes en ont d'autres. Et je pense que Anne et Sabrina sont deux femmes intelligentes qui savent très bien se marier avec les hommes pour en créer une symbiose intelligente, une synergie intelligente dont peuvent bénéficier les entreprises ou les gens qui s'entourent. En tout cas, on n'a pas peur de prendre le devant et on n'a pas peur non plus de prendre le recul si c'est nécessaire. Et je pense que c'est juste de prendre la bonne vitesse. Voilà. Et c'est aussi un peu ce qu'on veut faire dans nos actions, de dire, bon, on a lancé les GR Business Days. Il y a un salon à l'envers pour lequel on a un profond respect et une grande estime, où on répondra présent cette année. Et je pense qu'on a la conviction que si on veut faire battre le cœur de la grande région, ça ne suffit pas de le faire battre à un temps unique. Il faut avoir une continuité dans l'action pour garder cette fièvre de la grande région, que ce rythme reste toujours à un niveau élevé et de garder la dynamique d'action et pas de dire oui, maintenant on bat, notre cœur bat la grande région et puis après une semaine on se replie sur nos problèmes, sur d'autres dossiers et le rythme se perd. Il faut le garder à niveau. Oui, je te rejoins complètement. Et aussi le fait de faire quelques manifestations mais fortes et que ça devienne pérenne, ça c'est important. C'est pas la peine de démultiplier les actions parce que ça va affaiblir les actions. Mais en avoir comme le GR Business Day et puis le salon à l'envers de Lorraine, je crois que c'est deux actions phares, grandes régions. C'est des manifestations économiques maintenant incontournables, hein, et ça donne leur force. Et puis que ça soit sur un temps court, une journée ou deux jours, ça draine beaucoup de monde des pays différents, et donc ça donne une force. Et de rebondir d'une manifestation à une autre, que ce soit au salon à l'envers ou au GR Business Day, ça permet aux gens, aux personnes qui sont là, de se dire, eh ben, on va à l'un, on va à l'autre. Et ça, c'est, enfin, moi, c'est une très belle réussite. Et d'avoir cette action commune, pour moi, c'est aussi une belle victoire, parce que ça veut dire, enfin, on parle tellement de la grande région, et moi, j'aimerais tellement que ça bouge, et qu'on soit encore plus dans l'action-réaction. Maintenant, il faut y aller. Je veux dire, on est des acteurs, on a une dynamique, on a une bonne entente. On a tout le monde qui a envie de travailler, donc allons-y. Voilà. S'il y en a qui n'ont pas envie, bah, tant pis, nous, on y va. Et la grande région, c'est une force. Et est-ce que selon vous, en général, est-ce qu'il y a déjà une sorte d'identité d'appartenir à une grande région chez la plupart des gens qui habitent ici dans la région, ou c'est surtout, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de frontières dans les têtes des personnes? Alors oui, il y a encore des idées de frontières, mais on est là justement pour essayer d'effacer ces frontières. On a un sillon lorrain, on a un pôle métropolitain, on a la grande région. À nous de faire en sorte que les idées reçues, justement, on essaye de les changer. Et on est là comme acteur pour faire changer cette évolution.
Et en tous les cas, on essaye de faire des réunions, des manifestations, des discussions pour que on dise aux chefs d'entreprise, aux TPE-PME de participer justement à cette attractivité de notre territoire. On a un savoir-faire, on a une histoire sur le territoire lorrain, sur la Lorraine Nord. Et toute cette histoire nous a permis de construire et justement de penser peut-être différemment. Et vous parliez des femmes, on a peut-être aussi dans l'entrepreneuriat un regard différent et qui permet d'avancer avec nos collègues masculins, et c'est très bien. Donc on a un avenir devant nous, même si les conditions économiques sont difficiles. En tous les cas, on essaye d'apporter un regard différent. Et comme on a une collaboration qui est maintenant concrète, justement, on est nombreux à réfléchir dans un même sens, c'est à nous de transformer les idées reçues et garder cette identité. On a une mémoire, et il y en a une mémoire collective, et il faut avancer avec cette mémoire collective. Et ce qu'on a vu aujourd'hui et hier aussi, c'est que les entrepreneurs, hommes ou femmes, pour eux, les frontières nationales n'existent pratiquement pas. Donc, en quelle sorte est-ce que vous avez vu cet esprit à cette foire? Disons que les GR Business Days, c'est bien sûr une foire interrégionale, mais la valeur ajoutée, c'est aussi de drainer davantage des délégations qui viennent de l'étranger. Donc, on a eu 11 pays qui ont répondu présents, même si c'était des petites délégations, mais on a même eu des délégations qui sont venues du Sénégal, du Mali, on a eu l'Italie, la Hongrie, la République tchèque. Et c'est bien sûr toujours une première tentative, c'est venir au Luxembourg pour découvrir la grande région. Et la prochaine étape pourrait être, c'est la grande région qui invite des délégations étrangères à venir. Il y a aussi de nouvelles idées, peut-être de penser à faire des collectivités de chambres bilatérales qui peuvent drainer des délégations étrangères, donc de renforcer encore à la deuxième étape l'image de la grande région à l'échelle internationale. Donc venez au GR Business Days pour découvrir une vitrine internationale. Et après cette interview, vous allez participer à une table ronde. C'est à quelle heure et vous allez parler de quoi exactement? Eh bien, nous allons parler de la grande région. C'est à 17h30 et avec quelques acteurs incontournables économiques comme le président Roger Cazel, monsieur le ministre Alsdorf, Pierre Gramegna, Sabrina et moi-même, où on va donc parler de ce que l'on fait de manière concrète depuis maintenant quelques mois, et puis essayer de justement de faire partager notre passion pour notre grande région et de parler de nos deux événements, GR Business Day et le Salon à l'envers de Lorraine. Je pense que ce qu'on a voulu faire aussi avec les Greater Region Business Days, c'est pas seulement une plateforme de rencontre pour les entreprises, mais c'est aussi une plateforme de rencontre entre les acteurs économiques de la grande région. Venez pour débattre. On débat d'une manière figée, peut-être au début, sur une thématique qui était donnée, mais le fait que les acteurs soient assis l'un à côté de l'autre, le voisin stimule une idée à l'autre. On l'a vu hier à l'inauguration officielle du salon, où il y a la représentante de la SAR qui a stimulé une idée spontanée sur le plateau TV, où il y a le représentant de la Rhénanie-Palatinat qui a répondu. Et je pense que c'est une dynamique d'action qui s'enchaîne dans l'événementiel, et où bien sûr maintenant le plus important, ce sera aussi de garder cet esprit en vie et d'en assurer les actions de suivi, l'action de suivi qu'elle mérite en fait pour concrétiser, pour bâtir sur du solide dans l'avenir. Et s'il y a maintenant des personnes qui veulent encore avoir des informations supplémentaires sur entreprendre Lorraine Nord ou même sur la Chambre de commerce, comment est-ce que ces personnes peuvent vous contacter? Nous avons un site internet, et puis nous contacter, que ce soit par le biais de la Chambre de commerce, de toute façon du Grand-Duché, puisque maintenant, quelles que soient les personnes que vous allez rencontrer, on donnera l'information sur les deux manifestations. Et voilà, donc il y aura des données concrètes, puisque les uns et les autres, on travaille ensemble, donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez nous revoir ensemble, le 25 octobre, voilà, au Salon à l'envers à Thionville. Voilà, j'annoncerai tout à l'heure la manifestation d'octobre, où ça sera le pendant en automne, où nous allons faire notre salon à l'envers, où on a la chance que les donneurs d'ordre sont présents et que le chef d'entreprise peut rencontrer sans rendez-vous. Donc ça aussi, c'est une opportunité pour le business de la grande région. Et ça sera à Thionville. Oui, c'est à Thionville. Oui, c'est à Thionville le 25 octobre sur une journée. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.